Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et fils. Bonjour, aujourd'hui je vous parle du système de refroidissement de votre véhicule. Le système de refroidissement est important l'été pour empêcher le véhicule de surchauffer par rapport au climat chaud. Plusieurs personnes pensent que l'hiver est suffisant, le temps froid est suffisant pour l'empêcher de circuler. Quand on circule à haute vitesse ou qu'il y a beaucoup de vent qui circule, ça pourrait être vrai. À partir du moment qu'on est dans le trafic, même en hiver, il faut s'occuper que le système de refroidissement fonctionne bien. Le système de refroidissement se doit d'être dégagé. Quand on voit passer des véhicules avec une petite moustache, comme une moustache de lait, il y a quelque chose qu'il faut se poser comme question. On a passé dans un amoncellement, il faut nécessairement dégager comme il faut les trappes. Ici, les trappes, pour être capable de bien respirer des deux côtés, dégager ceux du bas aussi. Ça va faciliter le refroidissement du véhicule. Si vous avez fait une sortie de route dernièrement où vous êtes allé vraiment dans de la neige abondante, c'est très possible qu'il y ait une accumulation sous le capot et en dessous. On se pose la question, pourquoi il y a tant de pièces de plastique sous un véhicule? C'est pour empêcher la neige de s'infiltrer et de venir se compacter et obstruer des pièces. Quelles pièces qui pourraient être obstruées? Le moteur de fan qui fait refroidir votre système de refroidissement. Ce moteur-là se doit de virer librement de façon électrique. Imaginons que la neige vient l'obstruer. Le moteur va vouloir se mettre en fonction, mais il ne pourra pas partir, ça risque de griller le moteur. Si on grille le moteur, il ne fait plus sa job pour refroidir le moteur du véhicule. À ce moment-là, c'est assez sérieux comme problème, ça pourrait amener des frais assez élevés. Pour vous éviter ça, quand vous avez à traverser, on s'occupe que le devant du véhicule soit bien dégagé pour que la respiration se fasse. On reste attentif aux lumières et aux aiguilles qui donnent la température. Puis, quand on fait faire l'entretien du véhicule, on demande à notre technicien de jeter un œil averti suite à une sortie de route ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas des vérifications à faire. Si vous avez des questions ou pour prendre rendez-vous, appelez au 418-387-5110, poste 2. Sinon, sur le web, au service@leclerc-et-fils.com ou sur le site internet leclerc-et-fils.com. Leclerc et fils, parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et fils.